Bonsoir. Là, tu es là? Allô? Bonsoir, Père Patrick. Bonsoir, Papa André. Bonsoir, maman. Bonsoir. Nous sommes en Bonsoir. train d'attendre la sœur Grace. Je crois qu'elle est en ligne. Donc, en attendant, puisse bien s'installer. Bonsoir, Patrick. Donc, on est en train de conduire. On va seulement attendre qu'elle puisse revenir. C'est elle qui enseigne. On va parler en langue en attendant. Donc, on va prier en langue, on continue à intercéder, que le Saint-Esprit se manifeste, que toutes sortes de distractions soient enlevées, que toutes sortes de distractions soient enlevées au nom de Jésus. Seigneur, nous versons ton sang dans cette ligne. Au nom de Jésus, que toutes sortes d'interactions qui ne sont pas de toi soient enlevées. Au nom de Jésus, nous versons le sang dans l'air. Nous attachons le prince de l'air. Au nom de Jésus, nous le soumettons aux pieds de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur. Père, nous prions que cet enseignement puisse nous édifier, cet enseignement puisse nous réconforter. Rabba ki rabba ba 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 ba. Re ki rabba ko 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 she ki rabba ba 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 ba. Re ki rabba ba 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 ba. Re be ki rabba ko ko she ki rabba ba 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 ba. Ra ko 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 she ki rabba ba 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 ba. Ro bo ko she ki rabba ba 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 ba. Re ki rabba ba 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 ba. Re ki rabba ko ko she ki rabba ba 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 ba. Rabba ko 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 sheke rabba ba 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 ba. Ra ko 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 sheke rabba ba 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 ba. Robo ko sheke rabba ba 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 ba. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 J'essaie d'avoir la peur, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi elle ne répond pas? Donc, personnellement, je vais seulement attendre. Je vais seulement attendre.
Papa André? Oui. Oui, je ne sais pas où est passé Nickel. Je lui ai envoyé même un mot, elle ne répond pas. Pourtant, elle est en ligne. Ok. Parce que je suis en train d'enregistrer même. Je crois que je vais couper d'abord l'enregistrement. Thank you, Father. Amen. 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 C'est toi qu'on attendait. Mon téléphone a perdu la connexion. Amen. Oh, ok. Ok. Tu peux commencer. Ok. Tu peux commencer, je me tais donc. D'accord. Bonsoir tout le monde. On va prier un peu pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes encore de nous retrouver dans ta présence. Merci parce que tu nous amènes dans les profondeurs de l'enseignement afin que nous ne périssions point, mais que nous puissions être capables d'attaquer les problèmes auxquels nous sommes confrontés par ta force. Seigneur, laisse que ton esprit prenne le total contrôle pendant que nous sommes rassemblés ici. C'est toi qui es le maître, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui glorifie Jésus. Prends le total contrôle et que je sois juste un vase dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Allô, vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, ce soir, nous allons partager sur le thème traiter les fondements. Traiter avec les fondements. Les fondements qui sont aussi nos fondations. Le thème principal, le verset qui est sur lequel nous allons baser notre enseignement, c'est le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Je vais commencer par définir ce qu'on entend par fondement ou fondation. Donc, selon la Bible, le terme fondement ou fondation désigne la base de la terre, ce qui est considéré comme une immense construction du Dieu créateur. Ça, j'ai trouvé cette définition dans le livre de Job. Pour gagner en temps, je ne vais peut-être pas lire, je vous donne les références et chacun de nous pourra lire. Ça, c'est dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 4. Et puis, j'ai aussi retrouvé cela dans le psaume, chapitre 18, verset 8, et plus loin au verset 16. Donc, le fondement peut aussi signifier les principes de justice et de loi morale sur lesquelles repose le monde. Ça, c'est la définition du fondement selon la Bible. Maintenant, quand je prends le dictionnaire Larousse, je vois qu'un fondement est un élément essentiel qui sert de base et d'appui à quelque chose. Vous voyez que le mot base revient toujours. Et sur le plan spirituel, j'ai essayé de définir
le fondement comme étant un ensemble de lois qui ont été établies avant notre naissance et même celle de nos géniteurs par nos ancêtres. Donc, les fondements sont tapis dans nos vies, nous influençant de génération en génération et de jour en jour. Lorsque je parle des généralités, je vais comprendre que les fondements décident du niveau qu'on doit atteindre dans la vie sociale, professionnelle, spirituelle, matérielle, financière et j'en passe. Les fondements décident également du devenir de quelqu'un. Ils ont le pouvoir de contrôler la personne, de l'orienter, de la manipuler. Ils influencent la vie de la personne. Et toute personne sur la terre est assise sur un fondement. Il peut être bon ou mauvais. Ce fondement agit sur lui, sur cette personne, sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Donc, pour un enfant de Dieu, puisque nous parlons ici de manière générale, mais on va s'arrêter sur le cas qui est le nôtre. Je suppose que nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. C'est assez dangereux de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Ce fondement, parce que ce fondement va tout faire pour nous détruire. Il va tout faire pour nous détruire. Du moment où il a été violé, à partir du moment où vous acceptez d'être enfant de Dieu, vous violez le fondement. Vous violez la loi des symboles, la loi des alliances en devenant chrétien. Donc, on voit aussi que les fondements, si l'on a un fondement négatif et qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, on risque de ne pas évoluer parce que ce fondement nous combattra toujours, à moins que nous ne nous levions contre ce fondement pour l'attaquer et pouvoir nous en débarrasser. Donc, il y a aussi comme généralité, on voit aussi qu'il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut. Par exemple, l'idolâtrie, le fait d'adorer d'autres dieux, prier avec les statues. Et on voit aussi l'exemple, prendre aussi l'exemple d'un pont construit pour supporter les petites voitures. Et plus tard, ceux qui savent que ce pont ne peut supporter que les petites voitures ne sont plus. Et quelqu'un inconnu ou quelqu'un qui arrive, ne connaît pas l'histoire du pont, vient avec un camion, le pont ne pourra pas, il va juste s'effondrer. Donc, il y a des fondements qui ne sont pas solides pour porter donc ce que nous pouvons avoir en nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, quand nous partons de cette généralité, la décision et des généralités, on va voir ce qui constitue les fondements. J'ai beaucoup aimé le texte d'Ésaïe 51, Ésaïe 51, le premier verset, qui dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Est-ce que tu t'es une fois assis? » Allô? Oui. Nous écoutons. Nous sommes avec toi. Allô? Nous écoutons. Allô? On doit avoir une connexion Internet. Le diable est jaloux. Ah. Sorti, elle va revenir. Ouais.
Allô, donc elle est sortie de la ligne. Elle est sortie, elle va reprendre la connexion. Wow. Et toi, elle parle des fondations. Le Seigneur est. On va attendre qu'elle puisse continuer son cours. Mais j'ai, comme papa André est en ligne, je vais essayer de. Papa, est-ce qu'il y a une possibilité que quand tu purges tes fondements, une partie est sanctifiée, l'autre partie reste quand même dans l'obscurité? Le phénomène de fondement est un peu comme on a déraciné peut-être un arbre. Oui, mais on t'attend en ligne. Oui, pardon. Si on a transplanté un rejeton, on l'a mis sur une autre terre. OK. Et les racines allô? De l'ancienne terre. Oui. Allô? Oui. On t'écoute, continue. OK. Sorry. J'ai encore été injectée, donc je me suis reconnectée. Okay. OK. Donc, j'étais au niveau de ce qui constitue les fondements. L'enseignement sur les fondements est très long, donc ça, c'est la première partie. Donc, qu'est-ce qui constitue les fondements? Et j'ai pris, il y a un texte que j'ai trouvé, un verset sur Ésaïe 51, au chapitre 51, verset. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. En fait, ici, je me disais, est-ce qu'un jour, quelqu'un s'est assis pour voir le rocher d'où il est sorti? Ou alors d'où il a été taillé. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucun de nous n'est tombé du ciel. Nous venons de quelque part. Et 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Donc, traiter avec les fondements, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, surtout de la persévérance, parce que ce sont des lois, des alliances qui ont été établies depuis plusieurs années avant même que nous ne puissions être en vie. Donc, il faut de la persévérance pour pouvoir d'abord trouver les causes et puis pouvoir les traiter. Donc, un acte d'idolâtrie, par exemple, affecte jusqu'à 4 générations. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 15, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Donc, Dieu ramène ce qui est passé. C'est ce qui nous permet de commencer à nous interroger pour savoir d'où viennent nos problèmes. Et la Bible dit que la situation que quelqu'un vit aujourd'hui a déjà existé. Et elle a été vécue par les ancêtres de cette personne. Donc, le futur est déjà et il a été décidé par les fondements. Donc, Dieu veut nous ramener à nos fondements pour que nous les traitions afin qu'ils ne nous affectent plus et puis pour que nous puissions véritablement vivre le plan qu'il avait prévu pour nous. Donc, pour mener ce combat, nos prières devront au moins comporter les 16 éléments que j'ai pu trouver. Peut-être qu'il y en a plus. Papa André va certainement nous éclairer. Mais moi, j'ai pu déceler 16 éléments en m'appuyant sur ma propre expérience, ma propre histoire. Le premier élément qui constitue un fondement, c'est d'abord l'autel.
L'autel, c'est un lieu où les alliances et où les alliances ont été contractées. C'est un lieu où les échanges se font entre les humains et le surnaturel, le spirituel du côté. Ça peut être positif, ça peut être positif ou négatif. Dans ce cas, nous parlons de l'autel qui est négatif puisque nous parlons des fondements. Donc, c'est un lieu aussi où on dédie la terre, où le peuple, ça peut être une famille, ça peut être une contrée, ça peut être un pays, ça peut être une ville. Et donc, la première chose qu'il faut faire ici, c'est identifier l'autel. Il faut identifier l'autel. En général, le lieu de la naissance, le lieu de naissance de notre naissance est une porte. Une porte qui est utilisée pour nous affecter aussi dans les fondements. Le deuxième élément que j'ai pu déceler, c'est le sacerdoce et le sacrificateur. Qu'est-ce que j'entends par sacerdoce? On sait tous que c'est Satan qui établit les gens comme sacrificateurs dans le cadre de nos fondations. Pour faire le sacerdoce, c'est celui qui fait le travail. C'est celui qui est intermédiaire. Un marabout, par exemple, c'est quelqu'un qui fait le sacerdoce. Donc, le rôle du sacrificateur satanique est de recevoir les offrandes et tout ce qu'on peut faire comme sacrifice des mains du peuple, de la famille ou de tous ceux qui sont impliqués dans une famille. Voilà. Donc ainsi, lorsque nous donnons un sacrifice, on permet à l'esprit d'avoir une emprise sur notre vie. Nous devons donc traiter avec le sacerdoce satanique. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des intermédiaires tels que les féticheurs, les médiums, les marabouts, les devins, les occultistes et toute autre personne qui offre un service spirituel en dehors de l'esprit du Dieu véritable. Donc, il faut faire des recherches sur l'héritage du sacerdoce. Lorsqu'un membre de la famille qui doit hériter ce sacerdoce ne le fait pas, la malédiction rejaillit sur tout le monde. Et Satan fait vite alliance avec les hommes parce qu'il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Donc, le troisième élément que j'ai décelé, ce sont les alliances sataniques. Il n'y a pas d'autel sans alliance parce que c'est l'alliance qui fait vivre l'autel. L'autel est toujours bâti avec des alliances et l'autel opère par les alliances. L'alliance, moi, j'ai compris ça comme étant un pacte, un accord entre deux parties, une transaction. Par exemple, toutes les alliances ancestrales nous apportent des difficultés. Il faut connaître les alliances qui ont été tissées, les promesses qui ont été faites, les paroles qui ont été dites, les clauses de l'alliance et les conditions de l'alliance. C'est ici que le Saint-Esprit intervient. Parce que s'il ne vient pas nous révéler, comment est-ce qu'on va faire pour connaître les alliances qui avaient été tissées avant même qu'on ne naisse, avant même que nos parents ne naissent, des fois avant même que nos arrières, nos grands-parents ou nos grands-parents ne naissent. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à décrypter cela et à exposer. Donc après, nous avons les symboles de l'alliance. Dans les symboles de l'alliance, ce que j'ai compris cela comme étant ce qu'on prend pour sceller une alliance. Par exemple, le symbole de l'alliance de Jésus-Christ avec les hommes, c'est le sang qu'il a versé pour nous. Donc toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle ou alors elle est sans vie. Le pouvoir de tout autel dépend du symbole avec lequel on l'a scellé. Et le pouvoir de la vie de l'autel est le symbole. Donc, c'est le symbole qui donne la force, la puissance à l'alliance. Le cinquième élément que j'ai décelé, ce sont les serments, les vœux, les promesses, les paroles qui ont été déclarées
à partir de nos fondements. C'est, j'allais dire que c'est même l'élément des fondements qui donne le droit légal. On entend souvent parler de la légalité, le droit légal à la transaction sur l'autel. Ces éléments lient le surnaturel au naturel dans une force unifiée. Dans le livre de Juges, au chapitre 11, du verset 30 à 31, on va voir ça. Donc, il faut trouver les vœux, les promesses et les promesses, les vœux et les promesses que les ancêtres ont fait pour pouvoir traiter avec les fondements. Parce qu'un vœu qui a été fait, lorsqu'un vœu a été fait, il faut le reconnaître et y renoncer. Exemple, les ancêtres qui étaient des chefs ou des notables ont fait beaucoup de vœux pour certainement avoir le pouvoir, être influent. Or, il se fait qu'aujourd'hui, les enfants qui sont nés, par exemple, nous, on ne connaît pas ça. Et du coup, peut-être on ne respecte pas aussi par ignorance ou parce qu'on ne veut pas se mettre sous des choses qu'on ne comprend pas. Et ces vœux apportent, les vœux que nos ancêtres ont faits apportent nous apportent des difficultés et sur les générations qui viennent après nous. Donc, le sixième élément que j'ai décelé aussi, ce sont les clauses de l'alliance. Les clauses, ce sont les conditions ou les accords. Par exemple, nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. Une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant, celui-ci lui propose une condition. Donc, cette condition qu'elle a acceptée va affecter la vie de l'enfant qu'elle porte ou qu'elle veut. Il faut donc toujours connaître les clauses des alliances pour traiter les fondements. Le septième élément, c'est les sanctions de l'alliance. Les sanctions, ce sont les punitions auxquelles on s'expose lorsqu'on a violé l'alliance. Donc, ces esprits familiers prennent note de ce que nous avons violé l'alliance et posent des pénalités. Donc, ils sont chargés de veiller au respect de l'alliance. Si Dieu veut intervenir, ils brandissent l'alliance que les ancêtres ont contractée. Puisque notre Dieu est un Dieu d'alliance, il respecte des alliances, pardon, jusqu'à ce que nous puissions avoir gain de cause. Il respecte des alliances et jusqu'à ce que nous ayons traité ces alliances, nous ne pouvons pas obtenir gain de cause. Donc, quand les hommes traitent avec Satan, ils capitalisent sur les conditions que les ancêtres et nous avons accepté. Donc, tu ne peux rien briser, tu ne peux rien chasser, aucun jeune ne peut détruire les alliances qui ont été contractées parce que l'ennemi qui tient les clauses de ces alliances contre toi, contre nous, il n'arrête pas de brandir cela. Donc, jusqu'à ce que Dieu nous donne la grâce d'intervenir, nous donne la grâce de connaître ce qui a été dit comme alliance, que nous traitions pour que nous puissions obtenir gain de cause, nous ne pouvons pas. Ensuite, dans l'alliance, il y a la teneur, il y a son contenu. Le fondement, qu'il soit positif ou négatif, se transmet de génération en génération. Un fondement, comme je le disais plus haut, traverse au moins 4 générations. Donc, il faut examiner l'histoire des fondements passés en remontant sur 4 générations des deux côtés, paternel et maternel. Ensuite, pendant les fêtes annuelles, le peuple prolonge souvent ou renouvelle les alliances. On a, par exemple, pour renforcer leur teneur, on a les fêtes de génération, les sacrifices, les rituels, nos fêtes traditionnelles, comme on connaît et tout. En général, c'est pour renouveler les alliances, renforcer l'autel. Donc, ce que nous devons faire, c'est demander aux parents d'arrêter de renouveler et de renforcer les alliances. Évidemment, pour pouvoir le faire,
il faut déjà avoir obtenu le go de Dieu à travers la délivrance qu'il a fait et l'autorité qu'il nous donne en tant que ses enfants. Le neuvième élément que j'ai aussi décelé, c'est la réclamation de l'alliance. La réclamation, c'est un droit légal. C'est ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. C'est ce qui est légitime parce qu'une alliance est impliquée. Par exemple, Dieu a posé une réclamation sur les premiers-nés de toute génération à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu parce que Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. Donc, de la même manière, les esprits viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions, nos ministères même, parce que les ancêtres et eux avaient fait alliance. Et donc, pour traiter les fondements, il faut aussi identifier tout cela. Donc, il faut commencer par identifier, par chercher à savoir ce que c'est que le sacerdoce et à qui revient l'héritage de ce sacerdoce. Si c'est le tour de ton père ou de ton frère, exemple, qui doit s'asseoir sur la chaise royale, qui doit succéder à quelqu'un qui était un grand maître d'une grande loge, qui doit, je ne sais pas moi, porter la robe pour faire les rituels. Ensuite, pour commencer, c'est toujours dans la réclamation de l'alliance. Donc, quand vous avez identifié le sacerdoce, il faut localiser l'autel, connaître le nom de l'autel, connaître ceux qui l'ont, savoir ceux qui l'ont bâti. Et puis, il faut maintenant chercher à voir avec l'alliance qui a été contractée. Pourquoi a-t-elle été contractée? Est-ce pour la protection? Est-ce pour la prospérité? Est-ce pour le mariage? Est-ce pour le célibat? Il y a beaucoup d'éléments. Donc, après, il y a le symbole. Est-ce que ce qui a été donné, cela peut être la destinée de nos enfants, notre propre destinée, ça peut être le sang humain. Ensuite, il y a les vœux, les promesses faites. Par exemple, quelqu'un peut dire, « Oh, mes enfants ne doivent pas être mariés parce qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent la richesse. » Il y a aussi les clauses. Les clauses de l'alliance, c'est ce sur quoi les gens se sont entendus. « OK, je te donne ceci en échange de cela, de ceci. Je te donne ceci en échange de ceci. » Donc, ensuite, dans la sanction de l'alliance, quelle est la sanction qu'on donne? On voit par exemple dans les familles que les gens naissent et quand ils atteignent 20 ans, ils commencent à mourir. Ça, c'est une sanction. Ça peut être la mort prématurée, ça peut être la pauvreté, ça peut être la folie, ça peut être la stérilité, et pour ne citer que cela. Ensuite, ensuite, il y a la teneur, la durée de l'alliance. Ça fait toujours parler de la, ça fait toujours partie de la réclamation de l'alliance. Dans la durée de l'alliance, cela peut être de génération en génération ou alors pour les 4 générations seulement. Ensuite, et enfin, il y a donc les réclamations. Ça, c'est dans la réclamation de l'alliance qu'on doit identifier ces éléments que j'ai cités. Donc, dans la rubrique, dans les fondements toujours, il y a un autre élément qui est le 10e élément, l'onction de l'alliance. J'ai découvert, vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Même quand je priais pour les fondements, moi-même, je n'avais pas prié en tenant compte de l'onction parce que je savais que l'onction ne venait que de Dieu. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a mené à comprendre que l'onction, autant nous avons l'onction venant de Dieu, autant nous pouvons avoir l'onction qui vient aussi du monde des ténèbres. Donc, le Saint-Esprit se déverse sur son peuple. C'est aussi de cette manière-là que l'onction de l'alliance satanique inonde la vie de ses fidèles. Donc, c'est ce pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir de l'autel satanique.
Donc, le niveau d'onction qu'on reçoit de cet autel dépend de la puissance, de sa puissance. Lorsque l'onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne, elle peut amener la personne à poser des actes violents, des actes ignobles, des abominations. Par exemple, ces personnes qui tapent sur leur femme, ces personnes qui vont aussi facilement... cette éloche-là. Donc, ça fait partie de cette tension que les gens contractent par les ancêtres. Et des fois, les querelles, la violence verbale, des fois, on dit que quelqu'un a le langage, il a mauvaise langue. Ça, c'est l'onction de l'alliance qui donne ça. Par exemple, on va voir Moïse. Moïse, quand l'onction de la colère, il avait hérité de l'onction de la colère de ses ancêtres. Donc, quand cette onction est descendue sur lui, nous savons tout ce qui est arrivé. Ça l'a empêché d'entrer dans sa destinée. Moi, je l'appelle la destinée prophétique, qui est en réalité la destinée que Dieu avait réservée pour lui, le Canaan. Donc, il y a cet élément-là. Le 11e élément, autant nous avons un casque que le Seigneur nous donne. L'ennemi donne aussi le casque, il donne le masque ou le voile de couverture. L'onction du Saint-Esprit apporte la lumière et l'illumination. Mais l'onction satanique produit une couverture de ténèbres sur les peuples, les familles, les nations, les pays, les communautés. Ça, je l'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, verset 7. Cette couverture vient de l'onction satanique. Elle donne une couverture de limitation. Donc, si c'est un fondement sur les eaux, ce sera le voile pour l'empêcher de se marier ou d'être stable avec un homme ou une femme dans un foyer. Donc, empêcher le peuple d'entrer dans le plan de Dieu dans leur vie, ou dans leur mariage, ou dans leur destinée spirituelle. Le Seigneur peut avoir prévu que vous serez un grand serviteur de Dieu, mais à cause du masque, à cause de cette couverture, vous serez un grand serviteur de Dieu, vous aurez une grande renommée, mais vous aurez des limitations, ou alors vous allez avoir une ascension à dents de scie. Un matin, une période, une saison, vous êtes au top. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent dans la communauté que Dieu vous a donnée. Et puis, une autre saison, tout le monde disparaît, ça fait des problèmes, des instabilités dans votre maison, autour de vous. Donc, ça fait partie de la couverture que l'ennemi donne. Donc, sa couverture est, en plus d'être une limitation, elle est même une barrière, un niveau dans la vie qu'on ne peut pas dépasser, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Donc, il y a des fondements qui ne sont pas assez forts pour porter soit le ministère que Dieu nous donne, soit le mariage, soit la richesse, soit la prospérité. Donc, quand nos parents ont contracté des alliances négatives avec des symboles et des clauses telles que aucune fille de la famille, aucun garçon ne doit se marier, aucun homme, aucune femme ne doit servir le Seigneur si ce n'est le Dieu de l'eau, si ce n'est le Dieu de la forêt. Quand on s'entête à servir ou à se marier, et ben, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas prospérer. Et la plupart du temps, on termine frustré et la personne qui se réjouit, c'est l'ennemi. Donc, le 12e élément, c'est l'esprit territorial, que j'appelle très souvent l'esprit superviseur, parce qu'il est là, il surveille et il supervise et donne des informations à qui de droit. Donc, j'ai trouvé cela dans le livre de Genèse, au chapitre 3, du verset 43 au verset 52. Ici, la pierre a été utilisée comme témoin, et c'est cette pierre-là qui supervise l'alliance. Donc, un esprit qu'on voit comme femme ou mari de nuit, qui nous poursuit, qui vient dans nos rêves, parce que nos parents ou nos ancêtres ont violé
les alliances. Ça, c'est un esprit territorial, c'est un esprit superviseur. Oui. Et donc, les raisons pour lesquelles ils ont aussi accès à nos vies, c'est parce que nous avons violé l'alliance. Ça peut être nos parents qui ont violé l'alliance. Ça peut être nous-mêmes parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur ou de renoncer. Ils apparaissent dans nos rêves sous forme d'esprits ancestraux. Ça peut être, et pour les fondements terribles de sorcellerie ou d'occultisme, cela se transforme très, très souvent physiquement par des oiseaux, par des lézards, des mouches, des fourmis, des cafards, et pour ne citer que cela. Il faut savoir que certains esprits offrent de la nourriture, de la boisson à leurs victimes en rêve. Moi, j'ai vécu cela. Et parce que, justement, à un moment dans ma famille, du côté de ma mère, j'ai vu qu'on allait souvent poser la nourriture sur une tombe. Et on disait que le mort, la personne qui était morte aussi, mangeait. Donc, la configuration, tout ça, c'est pour souiller la personne, la sujettir. Ça va au-delà de l'oppression. Elle devient vraiment l'esclave. Dans la configuration spirituelle d'une communauté, d'une ville, d'un quartier, d'une contrée, est déterminée par l'esprit territorial qui en a la charge. À moins que cette ville ou cette communauté ne soit traitée à partir des fondements, donc n'ait eu la délivrance, il ne pourra avoir aucun changement significatif dans les caractères, la vie des personnes qui sont de cette communauté, de ce pays ou de cette ville. Dans le 13e élément aussi, c'est le registre des événements ou des transactions. Ça aussi, je ne connaissais pas ça, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné cette partie parce que je n'avais pas vraiment traité ce côté-là, bien que j'ai quand même travailler en m'appuyant, en détruisant certains éléments qui constituent ce point-là. Donc, c'est l'un des éléments qui constitue les fondements. Tout ce que les grands-parents, les ancêtres ont fait, les actes qu'ils ont posés, tout cela est écrit dans un registre comme... le diable imite tout ce que Dieu fait. J'étais dépassée. On a un cahier, un livre de vie. Il a aussi un registre qui est tenu par les esprits familiers. Donc, c'est le registre des événements ou des transactions dans lesquelles on écrit les clauses, les sanctions, la teneur des pénalités. Les symboles de l'alliance sont les moutons, les chèvres, les poulets, tout ce qu'on a tué, qu'on a donné pour sceller l'alliance. Ces symboles constituent comme une signature. Donc, si on aime sa progéniture, on doit poser des actes positifs pour que cela ne constitue pas un fondement qui va affecter la vie de nos enfants demain. Car ce que nous laissons à nos enfants comme héritage, c'est aussi les actes que nous avons posés et qui constitueront leur fondement. Donc, pour traiter ce fondement, il faut connaître l'événement qui s'est passé dans la famille, les transactions et les effacer. Sinon, l'esprit familier va utiliser tout cela qu'on peut contre nous. Et c'est là où le verset de Colossiens 2, le chapitre 2, verset 14, arrive pour nous sauver. Et il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Donc, il faut appliquer le travail fait à la croix sur toutes les transactions qui ont été écrites contre nous. Et on a aussi Lamentation chapitre 5, je ne me rappelle plus très très bien du verset, mais c'est quelque chose comme nos parents ont péché et puis aujourd'hui ils ne sont plus, mais nous payons le prix de leur péché. Donc nous avons besoin de beaucoup d'informations pour les fondements, pour détruire les fondements dans la mesure où ce que les parents, si nous n'avons plus les parents pour nous dire ce qui s'est passé, encore que des fois, ils peuvent être vivants, ne pas savoir ou savoir
mais avoir une interdiction. Moi, j'ai vécu ça avec ma mère. Ma mère, c'est après que je l'ai su, avait une interdiction de me dire certaines choses. Donc, même quand je lui posais des questions, elle ne me répondait pas parce que c'était quelque chose qui la liait. C'est-à-dire qu'un pacte familial qui avait été fait. Et en me disant, c'était comme si elle trahissait. Et c'était un acte de traîtrise. Donc, il faudrait que les parents sachent et qu'ils veulent nous renseigner pour que nous sachions quelles ont été les vœux, les transactions et les écrits qui ont précédé notre naissance et même durant notre enfance. Donc, c'est important de savoir, de connaître le contenu et j'allais dire, c'est même fondamental, le contenu du registre des transactions. Donc, c'est aussi à cause de ce registre que Dieu ne peut pas intervenir d'une manière concrète dans nos vies. Donc, le 14e élément, ce sont les scarifications, les incisions et les tatouages que nous portons. Ils constituent un sceau et une marque de la servitude, l'esprit de mort, l'esclavage, le passage. C'est un point de contact, c'est un passage que ces esprits utilisent pour avoir accès à notre vie, à notre destinée. Et c'est ce qui leur donne le pouvoir de dire « tel m'appartient ». Il y a la marque de reconnaissance qui lui donne accès et qui permet qu'on soit localisé. C'est mon cas. J'ai été pendant des années localisée à chaque fois quand j'arrivais quelque part par les occultistes. Parce que j'avais une marque sans que je ne le sache. Mais je donne gloire à Dieu parce que cette marque a été effacée, j'ai été délivrée. Donc, de façon spirituelle, ils peuvent nous localiser, nous suivre partout. Rien ne peut se faire normalement parce qu'en réalité, on est esclave sans le savoir. Et le 15e élément, ce sont les sceaux de l'Alliance. Les sceaux de l'Alliance sont comme des cachets qui constituent le fondement. Donc, dans les corps, il y a des parties, ça peut être des mains, des têtes, des jambes. Et le sceau est un signe d'appartenance afin de conserver quelqu'un, j'allais dire, afin de conserver quelque chose pour protéger la personne, la génération. Et c'est ce qui amène encore l'ennemi à dire, cette personne m'appartient. Les sceaux sont spirituels, donc des fois, ils sont pas visibles. Beaucoup de générations, beaucoup de familles, beaucoup de villes, beaucoup de pays, beaucoup de quartiers portent des sceaux d'alliance qui les gouvernent, qui les suivent. Donc, ce sceau donne un droit légal à l'ennemi sur nos vies, sur nos finances, sur nos ministères, sur nos mariages, sur les biens que nous avons. Donc, par exemple, la circoncision par Abraham a conféré à Dieu un droit légal sur le peuple d'Israël. Le sang de l'agneau sur les linteaux des maisons en Égypte. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la croix sont des sceaux d'alliance. Donc, c'est ce qui donne la preuve que nous avons reçu Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu veut nous protéger. Mais à cause du sceau de l'alliance satanique, Jésus ne peut pas nous avoir pour lui totalement. Donc, toute alliance possède un sceau de préservation pour ne pas être nié. Donc, Satan établit ce sceau d'alliance. Et par ce sceau, l'homme et sa descendance, ainsi que tout ce qu'il a comme bien, ministère et tout, ont été vendus à Satan pour les garder en captivité et soi-disant les protéger. Donc, lorsqu'on traite les fondements, il ne faut pas oublier que tout ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance, les éléments de ces fondements-là doivent être brisés. Cela peut être fait par la parole, ça peut être fait par le sang de Jésus, ça peut être fait par les Écritures, et c'est comme une clé qu'on a prise pour fermer la porte. Donc, il faut la trouver pour ouvrir la porte afin de sortir. Donc, il faut briser le sceau pour arriver à briser l'alliance.
Et le dernier élément que j'ai pu identifier aussi, c'est la porte. Il est quasiment impossible de traiter un fondement sans traiter la porte. Parce qu'à chaque fois, une transaction, je veux dire, chaque fois qu'une transaction, qu'il y a une transaction d'alliance sur un hôtel, une porte est établie pour que l'esprit guide, superviseur ou territorial ou contrôle ait accès facilement à la vie de la personne, de la communauté ou du quartier. Donc, aucun esprit n'entre sans passer par une porte. La preuve, même l'esprit de Dieu, qui est une loi spirituelle, hein, je veux dire, c'est une loi spirituelle qu'un esprit entre par. Il y a des esprits qui entrent, qui, certains n'entrent pas par la porte, mais même l'esprit, même Jésus-Christ, pour qu'il vienne à nous, pour qu'il puisse avoir accès à nous, passe par la porte, parce qu'il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, qu'est-ce qui constitue notre porte ici? La porte, c'est notre cœur. Donc, aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est la personne qui ouvre et l'esprit entre. Donc, c'est une ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. Par exemple, dans la tombe, il a fallu que l'ange ouvre la porte pour qu'il sorte. Donc, pour la conclusion, parce que ça, c'est vraiment la première partie des fondements. Si j'ai l'opportunité, je continuerai avec cela parce que quand on a posé les bases, après, il faut pouvoir traiter pour commencer le traitement pour guérir. Donc, après cet enseignement, nous devons commencer à faire les prières nécessaires pour libérer notre vie de toutes les attaches invisibles qui bloquent notre avancée, notre ministère, notre mariage, nos entreprises, afin de prendre possession de la vie abondante que Jésus-Christ, notre Messie, est venu nous apporter. Il y a un point important. On ne peut pas traiter des fondements si on n'est pas encore enfant de Dieu, si on n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Honnêtement, ce serait comme avoir un fusil et tirer en l'air au lieu de tirer sur la cible. Dieu est juste. Et Dieu, il veut nous arracher de la servitude. C'est pour cela qu'il nous demande d'abord de l'accepter. Parce que Jean 1,12 dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous ne sommes plus nés de la chair, ni du sang de nos parents. Sortis des entrailles, il y a le sang qui se verse et il y a la chair qui se déchire. Mais nous sommes nés de son esprit parce que nous devenons enfants de Dieu. Donc pour traiter les fondements, aller s'attaquer à des esprits qui existent avant même que Jésus n'arrive, si je ne m'abuse. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Parce que pendant que vous combattez, en réalité, c'est lui qui vous donne la force de combattre. Donc, si nous voulons vivre pleinement la vie que Christ, notre Messie, est venu nous apporter en mourant à la croix pour nous, nous devons accepter Christ. Et accepter Christ, ce n'est pas parce que on va à l'église tous les jours, ce n'est pas parce qu'on sait, on est pasteur, on est whatever. On peut avoir accepté Christ et yet ne pas être enfant de Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore accepté Christ ou qui a accepté Christ et qui veut se redédier à Christ, parce que les fondements, chaque jour, Dieu nous révèle quelque chose. Je crois que on ne peut pas en finir avec les fondements, mais le Seigneur est capable d'enlever ce qui peut être un frein, ce qui peut nous déranger. S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut et qui est prêt à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes prêts à prier pour lui.
Ici, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Personne n'a la science infuse. Nous avons la chance d'avoir notre père, Papa André, je ne sais pas s'il est toujours là, qui nous enseigne souvent aussi, mais nous sommes à l'école du Saint-Esprit et c'est lui qui est le maître. Il n'y a pas de honte à venir à Christ. Et Christ dit que si quelqu'un a honte de lui, il aura honte de cette personne également. Donc, je veux donner le temps, s'il y a quelqu'un qui veut se redédier, ensemble, nous allons élever la voix et faire la prière avec lui. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi prêts à prier pour la personne. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme accepte Christ. Donc, je n'ai pas accès si vous pouvez voir, j'ai un problème avec mon téléphone. Nous sommes tous enfants de Dieu ici, je suppose. Je ne vois pas tous ceux qui sont connectés. Donc, s'il y a des gens qui sont connectés et qu'on voit quelqu'un qui... Je vois une main levée, mais je ne sais pas qui lève la main. C'est Christelle Tégel qui lève la main. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Mm-hmm. J'ai levé la main. Mm-hmm. OK, Christelle. D'accord. Donc, est-ce que nous pouvons élever la voix pour d'abord recommander notre sœur? Et puis, pasteur Jocelyn, tu es là? Allô? Allô? OK. Si personne n'est là, je vais donc. Allô, frère Patrick? Patrick? OK. Bon, personne ne répond, donc je vais prier. Je vais prier pour toi, Christelle. Père, je viens te recommander ta fille. Je te rends grâce pour sa vie. Je te bénis pour ce que tu es en train de commencer à faire. Je viens la couvrir dans le sang de Jésus afin qu'aucune flèche de l'ennemi dirigée contre elle ne puisse avoir, Seigneur, du succès. Je viens te la recommander. Père, elle a eu le courage de venir à toi. Elle n'a pas eu honte. Et tu as dit, Seigneur, que ceux qui viennent à toi, tu les accueilles. Merci, Seigneur, parce que tu accueilles ta fille. Christelle, nous allons faire la prière, dire la prière du salut. Donc, tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour aujourd'hui. Je te rends grâce pour aujourd'hui. Pour le privilège que tu m'as donné d'avoir accès à toi. Pour le privilège que tu m'as donné d'avoir accès à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. D'avoir vécu toute ma vie comme si j'en étais le maître. D'avoir vécu toute ma vie comme si j'en étais le maître. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait avant. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait avant. Seigneur, je viens à toi avec tout mon cœur. Seigneur, je viens à toi avec tout mon cœur. Avec toute mon âme. Avec toute mon âme. Avec tout mon esprit. Avec tout mon esprit. Je te supplie de m'accepter comme ta fille. Je te supplie de m'accepter comme ta fille. Prends le contrôle total de ma vie à partir d'aujourd'hui. Prends le contrôle total de ma vie à partir d'aujourd'hui. Aide-moi à te suivre et à respecter tes commandements. Aide-moi à te suivre et à respecter tes commandements. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'as accepté comme ta fille. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'as accepté comme ta fille. Merci Seigneur Jésus.
Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais te recommander au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme vient à toi. Merci pour la vie de Fride. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me dis à l'instant qu'elle est, son nom signifie Christ en elle. Merci, Papa, pour cette révélation. Parce que désormais, tu habites en Christelle. Désormais, tu habites en Christelle. Christelle, j'entends désormais qu'on t'appelle plus Christelle et non plus Fried. Qu'on t'appelle plus Christelle. Parce que Christ dit qu'il est en toi. Christelle. Merci, Seigneur. Parce que tu prends le contrôle de ta fille. Je la couvre du sang précieux de l'agneau et je te la recommande au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous êtes là? Allô? Oui, on t'écoute bien. Donc... OK, j'étais en train de prier pour Christelle qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais posé une question à papa le temps que tu as été interrompu. Si la personne peut, oui, j'avais demandé que... Si quelqu'un peut pouvoir faire la délivrance, mais ce n'est pas complet, donc qu'est-ce qui agira plus? Ce sont ces fondations ou bien c'est la lumière en Christ? Donc, j'avais posé une question comme ça. Et je voulais savoir aussi, papa aussi, le combat, par exemple, dans une famille. Je vois dans ma famille, nous sommes 7, il y a environ 4 qui sont très actifs. Donc, est-ce que la prière d'un peut libérer tout le monde en même temps? Non. Papa est là. Papa André ou bien la sœur Grace? Oui, je vais répondre parce que je ne sais pas. C'est silencieux, donc je vais répondre. Oui, je crois que la prière d'un peut libérer les autres. Ça va, le combat va être difficile parce que les autres ne sont pas avec toi. Parce que l'ennemi peut les utiliser pour te combattre. Mais le combat, la prière d'un peut libérer les autres. Même si ça prend du temps, le Dieu est souverain. C'est lui qui détermine le temps que ça peut prendre. Mais le plus important, c'est de continuer à les recommander à Dieu. Et la semence que tu sèmes dans la prière arrive jusqu'au trône de grâce. Et avec le temps, tôt ou tard, Dieu peut libérer les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu. Christelle, c'est une ancienne main ou c'est une nouvelle main? Merci. Ah non, c'est une ancienne main. C'est une ancienne main. Je n'arrive pas. Mon écran dérange un peu. Je n'arrive pas. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? OK. Moi je vais parler un peu. Je vais faire un petit témoignage un peu court concernant les fondements. La raison pour laquelle je disais que le Seigneur nous délivre chaque jour, parce que c'est lui qui nous enseigne. Et plus on est bon, va dans la présence de Dieu, plus on grandit dans l'intimité avec lui, et plus il nous révèle des choses profondes de notre vie. C'est-à-dire que chaque jour, chaque fois qu'on va dans sa présence, chaque fois qu'on rentre dans son intimité, il fait tomber quelque chose. Par exemple, moi, je prie pour mes fondements depuis plus de 4 ans. J'ai fait beaucoup de délivrances. Le Seigneur a fait tomber beaucoup de choses. Mais jusqu'ici, je ne savais pas que le mari spirituel n'était pas tombé. Je ne le voyais plus dans mes rêves. Des fois, je le voyais. Et quand je le voyais, je savais que c'était une attaque.
je savais comment prier parce que j'avais déjà fait des délivrances et le Seigneur m'avait déjà montré par ses serviteurs, par moi-même, comment faire. Mais il allait se taper, il allait rester dans un coin quelque part et il peut se cacher. Ça peut être dans notre caractère, ça peut être dans nos pensées. Il peut se cacher, c'est-à-dire qu'il était tapis quelque part où je ne savais pas, jusqu'à ce que je n'étais même pas en train de prier pour moi, j'étais en train d'intercéder et le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à taper mon bras. Donc, il a commencé du haut du bras jusqu'au sur les mains et allait enlever une bague. Et il m'a demandé de continuer à prier. J'ai continué à prier, continué à prier, jusqu'à ce que ce mari spirituel tombe. Donc, pour dire que des fois, il y a quelque chose qu'il faut que le Seigneur nous aide à faire. C'est parce que nous sommes en Christ. Oui, sa lumière nous délivre, mais s'il y a... Par exemple, là, j'étais en train de vous de partager avec vous qu'il y a, par exemple, il y a le registre. Je ne savais pas qu'il y avait un registre qui est souvent utilisé, enfin, que les ancêtres utilisaient, le registre des événements. Ça, je l'ai su pendant, quand je préparais l'enseignement. Le Saint-Esprit m'a amené dans le livre de Colossiens, et il m'a parlé du registre des événements et des transactions, et m'a parlé également de l'onction. Donc, des fois, quand on vient au Seigneur, là, c'est encore un petit témoignage que je vais faire. J'avais deux esprits qui se battaient. Ça dit que le Saint-Esprit, qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, et l'esprit familier qui me combattait. Donc, il y avait l'onction de Dieu et l'onction du diable, que le diable voulait mettre, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à mettre, mais il voulait mettre ça et maintenir ça en moi. Donc, il a fallu que le Seigneur se lève pour enlever cette onction qui était comme une couronne sur ma tête. C'était une couronne qui était sur ma tête. Et c'est là qu'il venait, c'est-à-dire que, je veux dire, il venait déposer toute l'autorité satanique qu'il voulait que j'aie. Donc, on doit juste persévérer, demeurer dans le Seigneur, passer plus de temps dans sa présence, c'est-à-dire que grandir dans son intimité pour qu'il puisse nous révéler chaque fois, quand il veut, quelque chose. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou nous avons tous compris? On va partager l'enseignement pour que ça puisse aider. Et peut-être, je ne sais pas, Révérende Paulette dira, si j'ai la chance d'enseigner la prochaine fois, ça va être beaucoup plus un moment de prière. Donc, voilà. Allô? Oui, merci beaucoup pour l'enseignement. Et je trouve que ça, beaucoup, c'est vraiment profond parce qu'il y a beaucoup de détails que je crois qu'il y a certains, c'était la première fois qu'ils entendaient ces détails-là. Donc, et je ne sais pas si les gens ont des questions, mais c'était comme tu as fait un peu le tour des différents éléments que deux fois on étudie séparés. Par exemple, les incisions, les alliances, les autels, les sceaux, tout cela, tu as regroupé. Et c'est bien que tu aies partagé ta propre expérience, parce que des fois, les gens vont se dire « Oh, c'est trop ». Des fois, d'autres vont dire « Oh, c'est notre imagination ». Mais ils ne comprennent pas que des fois, Dieu amène dans les profondeurs comme ça pour mieux enseigner et pour mieux comprendre qu'une alliance, ce n'est pas une petite chose. Une réclamation, ce n'est pas une petite chose, quoi. Donc, vraiment, merci pour l'enseignement. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou bien d'autres commentaires, papa, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je ne sais ou pas si il est encore là. OK. Ou bien le frère Patrick ou le frère Jocelyn,
S'il n'y a pas d'autres commentaires. Pour le frère Camille, parce que je vois qu'il est connecté, il peut aussi ajouter quelque chose. C'est un serviteur de Dieu. OK. Camille? OK. OK. S'il n'y en a pas, tu peux conclure. Oui, tu peux conclure. Tu peux prier et fermer la séance. OK, moi, j'aurais voulu que tu nous recommandes. OK. Je suis en train de conduire, mais je vais essayer. Éternel Dieu des armées, merci pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, nous couvrons cet enseignement de ton sang. Seigneur, cet enseignement va continuer à enseigner beaucoup d'autres quand nous allons le mettre en ligne. Seigneur, nous prions que chaque personne qui entend cela et qui souffre d'une alliance, qui souffre de fondations qui sont mauvaises, Père, que ta voix, la voix du sang de Jésus intervienne et que la voix parle des choses qui sont meilleures pour cette personne. Seigneur, nous prions que c'est le temps de délivrance, c'est le temps, Seigneur, là où tu te manifestes le plus pour tes enfants. Papa, nous prions que ton sang continue, que cet enseignement continue à enseigner après que notre sœur est finie. Père, merci. Nous prions aussi que tout qu'elle a dépensé comme vertu pour pouvoir enseigner, que tu puisses les remplacer. Et nous disons pas de rétaliation au nom de Jésus. Satan, nous refusons ton accès dans nos vies. Nous couvrons du sang de Jésus. Nous couvrons cet enseignement du sang de Jésus, le témoignage et le salut de la sœur Christelle du sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout. Au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. 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 À bientôt. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Bye bye. Il y a un man levé ici là. Comment? Je vois un man levé. C'est ma main levée, mais ça, mon écran un peu a un petit souci, donc j'arrive pas à désactiver. Non, c'est une vieille main. On a fini. D'accord. Bye. Bye bye. Bye bye.